Qu'est-ce donc que ta sagesse? Si tu ne sais pas que la patrie est plus précieuse, plus respectable, plus sacrée qu'une mère, qu'un père et que tous les ancêtres, et qu'elle tient un plus grand rang chez les dieux et chez les hommes sensés qu'il faut avoir pour. Elle en colère, plus de vénération, de soumission est égale que pour un père. Et dans ce cas où la ramener par la persuasion, ou faire ce qu'elle vous ordonne, de souffrir, se laisse frapper, ou enchaîner, ou conduire à la guerre. Et être blessé ou tué, il faut faire tout cela parce que la justice le veut ainsi. Qu'on ne doit ni céder, ni reculer, ni abandonner son poste. Mais dans la guerre, au tribunal, et partout il faut faire ce qu'on donne, l'État et la patrie. Sinon la fin changer d'idée, qu'autorise la loi. Quant à la violence, si elle est impie, à l'égard d'une mère ou d'un père, elle est bien davantage à l'égard de la patrie. Ou faire ce qu'elle vous ordonne, de souffrir, se laisse frapper, ou enchaîner, ou conduire à la guerre. Pour y être blessé ou tué, il faut faire tout cela parce que la justice le veut ainsi. Ne doit ni céder, ni reculer, ni abandonner son poste. Mais dans la guerre, au tribunal, et partout il faut faire ce qu'on donne, l'État et la patrie. Sinon la fin changer d'idée, par les moyens qu'autorise la loi. Quant à la violence, si elle est impie, à l'égard d'une mère ou d'un père, elle est bien davantage à l'égard de la patrie. À l'égard d'une mère ou d'un père, elle est bien davantage à l'égard.